Nicolas Rudem, directeur de Pils. Nous finissons de recevoir ça l'annonce de M. Gaillan de façon mitigée, en tout cas sur Pils. D'un côté, bien conscient qu'il vise un travail pour l'amélioration de votre programme Méthadone habillé. Donc, il y a un résultat extrêmement positif du programme Méthadone. Et ça, c'est dommage qu'il n'ait pas été annoncé du tout en conférence de presse. Du ministre, enfin d'après en tout cas ce qu'il m'a entendu de cette conférence de presse. Après, effectivement, il y a une certaine catégorie de monde chez qui ça ne marche pas ou ça marche moins bien. Qui nous vise à désengorger le centre méthadone quand il y a une adoption de monde qui peut venir dans le même point, ça n'est en évidence. Bien sûr qu'il vise à décentraliser, désengorger, trouver d'autres options. Mais est-ce qu'il y a une autre option qui met ça dans la station de police? Je trouve ça particulièrement choquant. Et le signal qui peut envoyer à la population, c'est un signal, bien là, il y a un drogueur, bizarre, il y a un contrôle de la police, parce que c'est un monde dangereux. Et je ne suis pas d'accord. Et ce n'est pas au ministère de la Santé de faire la police. Je trouve que c'est un petit peu dommage cette approche-là. Est-ce qu'il y a une caravane ministère de la Santé qui peut distribuer méthadone, pas caravane dans la cour d'une ONG plutôt qu'il devant une station de police? C'est une question qu'il m'a posée. Nous avons une telle recommandation qu'il nous fait pour des évaluations extrêmement pertinentes de sa programme méthadone. Considérant que ça va être une recommandation à jamais mettre en place. Mais aujourd'hui, nous essayons, comment dire, résoudre un problème à la fin vite et de façon un peu brutale, et je trouve ça très dommage. Et en tout cas, le signal qu'il nous peut recevoir du ministère de la Santé, là pour l'instant, n'est pas très positif. Bref, il faut dépassionner cette question de la substitution à Maurice, parce qu'il peut nous saper, nous pas pour arrêter un programme comme ça. Nous devons améliorer et améliorer avec tout bon partenaire, et c'est Et c'est ça le message qu'ils m'ont envie de faire passer le ministère de la Santé et en particulier le ministre.